Mon plus grand triomphe approchait. La bataille finale dans ma longue guerre contre Superman. Tandis que ses pouvoirs étaient drainés par le combat constant, l'envoyant dans l'espace pour se recharger grâce au soleil jaune, j'ai frappé. Mais mon obsession m'avait aveuglé, cachant la menace réelle du véritable ennemi de la Terre. Cyborg, dirige tes tirs sur Luthor pendant que j'appelle l'artillerie. Deathstroke, il est temps pour toi d'entrer en scène. Nous avons beaucoup de meurtres en attente. T'as perdu quelque chose? Salutations, ma sœur. Personne ne peut tuer la chauve-souris en dehors de moi! Appelle-le! Qu'il vienne jusqu'à moi! Vaincu par un simple mortel. Non, tu as tout perdu. Non, je t'ai battu. Brainiac était de retour.
Depuis des années, ils volaient le pouvoir des protecteurs de la Terre, mais nous étions trop occupés à nous combattre pour nous en rendre compte. Vous trois éliminés, Brainiac se débarrassa rapidement des autres héros. Les plus chanceux périrent au combat. Au final, moi seul ai survécu. Un rat, errant dans les murs de Brainiac. J'ai voyagé dans le temps pour vous prévenir. Ceci est mon passé, mais votre futur. C'est la fin de l'humanité. Ainsi ensemble, nous devons changer cela. Qu'as-tu fait, Luthor ? Je vous ai laissé une chance. Mensonge. Ça fait partie d'un plan. Pourquoi te ferions-nous confiance ? Parce que sinon, la Terre sera condamnée. J'ai volé les exobytes de Brainiac et les ai libérés dans l'atmosphère terrestre. Ils recèlent les pouvoirs dérobés aux héros et criminels de mon époque et les transmettront à quiconque les touchera. Les exobytes créeront une nouvelle race de surhumains pour combattre l'invasion de Brainiac. Vous devez leur apprendre à utiliser leurs nouveaux pouvoirs, car ils doivent prendre place au premier rang du conflit à venir, où mon sinistre futur deviendra le vôtre. J'espère simplement ne pas arriver trop tard, car je ne serai plus là pour voir ce nouvel avenir. Ma tâche n'est pas terminée. Je dois laisser ce monde entre tes mains. Prends les exobytes et saisis ton destin. Sélectionne un type de téléchargement Exobyte. Crée une configuration personnalisée ou copie les données d'un héros ou d'un criminel terrien. Sélectionne un alignement héros ou criminel. Sélectionne une personnalité pour déterminer ton comportement social. Sélectionne un mentor ou une ligne directrice pour l'application des données. Sélectionne un groupe de pouvoir à partir des données d'Exobytes afin de déterminer ton rôle de combat. We'll be right back.
sélectionne un mode de déplacement. Sélectionne une arme à partir des données disponibles. Affichage du résumé de téléchargement d'Exobytes. Les options d'apparence sont désormais disponibles. Modifie toutes catégories selon tes besoins, puis accepte le téléchargement quand tu as terminé. Sélectionne un type de téléchargement Exobytes. Crée une configuration personnalisée ou copie les données d'un héros ou d'un criminel terrien. Téléchargement réussi.
Thank you.
Téléchargement réussi. Erreur. Téléchargement réussi. Erreur. Téléchargement réussi. Erreur. Téléchargement réussi. Erreur. Téléchargement réussi. Téléchargement réussi. La Terre. Centre du multiverse. Un jour, elle appartiendra à Vreignac. Je ne planifie pas une invasion, mais plutôt une assimilation. J'ai identifié des lieux clés dans l'importante banque de données du savoir terrestre. Ce sont eux dont je vais m'emparer et numériser en premier. Bien sûr, des informations non essentielles risquent d'être assimilées avec. Mais elles seront triées et éliminées une fois la numérisation terminée. La résistance des Terriens ne me préoccupe pas. Il n'y a pas sur cette planète d'intellect assez grand ni de puissance assez brutale pour s'opposer à moi. Bientôt, ce monde et tout ce qu'il contient seront à moi. Étonnant, il y a une anomalie dans l'atmosphère terrestre. Début de l'analyse. Ces exobytes sont ma propre technologie. Tous contiennent des quantités inconnues de puissance numérisée venues de l'avenir de la Terre. Mes récolteuses vont récupérer les données fournies par ces exobytes, ce qui scellera le sort de la Terre. Nouvel obstacle. Ces humains résistent à mes tentatives d'assimilation. Mes unités de conversion n'arrivent pas à les contenir. Que les humains utilisent leur pouvoir. Au bout du compte, ils appartiendront eux aussi à Vreignac. Le piratage a fonctionné. J'y suis.
et te voilà debout et libre. Ouh. Ok, je suis Oracle, et on va te faire sortir de ce vaisseau. Cherche une porte qui mène à l'extérieur. Ils ont percé à jour mes programmes de piratage. Le vaisseau sait que tu es libre. Fais attention. Prépare-toi. Je détecte des forces qui se rassemblent derrière cette porte.
semble des renforts. Je vais patrouiller du côté du prisonnier. Changement d'arme.
toutes les unités. Le sujet ne se trouve plus dans les couloirs principaux. Passez le vaisseau au peigne fin. Tout entier est connecté à Brainiac. Tu dois absolument continuer à avancer. Prépare-toi. Le vaisseau envoie des défenses de ton côté. Détecté dans les couloirs. Il y a une connexion de haute surveillance devant toi. Vas-y et utilise les tubes de transport. Envoi d'une cargaison de marchandises derrière. À toutes les unités en position. Maîtrisez l'être humain.
Envoi d'une cargaison de marchandises terriennes. Envoi d'une cargaison de marchandises terriennes. Une cargaison de marchandises terriennes. Prépare-toi. Le vaisseau envoie des défenses de ton côté. Émanations d'énergie. Oh oh, Brainiac dispose d'une force d'invasion complète sur ce vaisseau. Nous devons absolument le détruire. Alerte ! Activité humaine détectée à proximité. Dégâts sur le vaisseau en augmentation constante. Éliminez l'individu en fuite immédiatement.
toutes les unités en position. Maîtrisez l'être humain. Le canon principal du vaisseau se trouve là-devant. Détruis-le. Cela désactivera le réseau de défense externe du vaisseau. La Ligue pourra alors s'y introduire pour te faire sortir de là. Laisse pas les prisonniers s'emparer de la salle principale de contrôle des armes. Des dégâts dans les couplages de puissance peuvent déstabiliser le vaisseau. Ne sois pas bête, humain. Tu ne peux rien faire pour stopper la conversion. Tu es dans le cœur de connexion. Détruis tout ce qui relie le canon au vaisseau. Couplage détruit. Stabilité à 75%. Stabilité à 50%. Arrêtez le prisonnier. Il ne reste plus qu'un couplage. Ne te déçois pas, Brainiac. Oui, le canon tombe. Il s'écrase sur le champ de force de Brainiac, en dessous. Tu te soumettras. Échoué. Alimentation coupée. Superman, prépare-toi. Je te fais entrer. Misérable être humain, tu cours à ta perte. Tu sombreras avec le vaisseau. Réfléchis bien, Brainiac. Tu ne peux pas te débarrasser de nous deux en même temps. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas mis ce vaisseau hors service. Définitivement. Pas besoin de vision au rayon X pour voir que tu mijotes quelque chose de néfaste. Tu ne peux pas défier la volonté de Brainiac. Rends-toi maintenant ou fais face à ta destruction. Statue.
à te battre. Le réseau refuse encore de me laisser entrer. Défaillance générale. Vaisseau moissonneur 7-0 a été compromis. Déploiement des forces restantes sur Terre. Ce vaisseau a été compromis. Évacuation de toutes les unités. Travail. Brainiac ne s'attendait pas à ce que tu te libères et désactives son vaisseau. Maintenant, utilise le téléporteur et retourne en ville. Nous avons du pain sur la planche. Brainiac, un cauchemar venu de mon passé pour ravager la Terre. Même notre puissance combinée n'a pas suffi à l'arrêter. Mais maintenant, nous avons une chance. De nouveaux héros, disposant de pouvoir réchapper d'un futur condamné. Des héros capables d'affronter toutes les menaces. Je connais le Lex Luthor du présent. Même les avertissements de son lui futur ne parviendront pas à empêcher sa folle vendetta. Je suis Superman. Je défends la vérité, la justice et le futur. Oui, c'est fait. Superman va terminer le boulot ici. Passe par les téléporteurs pour t'échapper. Vas-y. Ici Superman. J'ai vu comment tu as réglé son compte à Brainiac. Je te demande de nous aider, ici, à Metropolis. Avec toutes ces attaques de Brainiac, nous avons besoin de toute l'aide qu'on peut obtenir. L'armée de Gorilla Grodd attaque et change les humains en singes. Nous devons les arrêter avant qu'ils envahissent Metropolis.